jeune héritière, lucide et intelligente, qui n'a jamais aimé personne. Aimé. Pardon. Qui n'a jamais aimé personne. Qui n'a jamais aimé personne, ni sa mère, ni son père, ni son chat, ni sa tante des États qui lui envoyait 100 dollars à Noël, ni sa bonne Janine qui lui faisait des biscuits aux pépites de chocolat, ni les 14 amants qu'elle a eus en 14 ans de vie sexuelle. Qu'est-ce que les étoiles ont bien pu susurrer à l'oreille de Grégoire ? Patience, patience ! Grégoire sera à l'antenne d'ici quelques petites minutes. La belle Tasha sera au micro d'éphémère radio. Comme chaque nuit, Tasha ouvrira les portes les plus secrètes de nos envies, de nos fantasmes. Pour des confessions coquines, la grande prêtresse Tasha sera vous donner l'absolution. Je sais déjà que sans maudire tu partiras, même si toi-même tu n'y crois pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Les politiques ont bientôt perdu toute autorité sur les militaires. La guerre semblait se nourrir d'elle-même. Chaque victoire engendrait de nouvelles vagues de sauvagerie. Chaque revers, de nouvelles tueries de civils. Bien, arrange-toi, toi. Je ne savais pas, Bertine. Ah, touche-moi pas. Lâche-moi. Calme-toi. Je suis pas capable. Tu te fais, non? Si je vomis le repas, tu restes avec moi? Non. Pourquoi est-ce que tu me quittes? Je ne te supporte plus. Ah? Toi et ta chienne. Diva? Je ne la supporte plus. Elles ont 15 ans et elles vivent en chantant dans la rue des histoires d'amour. C'est pas la peine de gueuler comme ça, j'ai rien fait! Pardon. Je m'excuse. Un jeu de boîte d'air. Quoi? Mais zut! N'essaye pas de jouer au plus fin! Vaut mieux que le silence! Trop de mode! Je pourrais s'emporter! Chacun son tour! Laisse! Et moi vivante, jamais tu n'épouseras ces tordures! Bien, je vois bien que parmi vous, il y a de parfaits cornichons. Oh là là, des crétins complets. Oh, mais surtout aussi des professeurs d'université. Un menuisier d'une intelligence remarquable. Une femme de ménage. Et nous pêchons! Oh, c'est ça, le sort. Ouais. Oh, Derek. Ouais. Ouais, tu fais quoi, là? Tu ne parles pas, tu t'essouffles. Ouais. Tu cours, mon gars. On compte jusqu'à 3 et on saute. 1, 2, attendez. Elle est partie. On peut y aller! Elles entrent et aussitôt, avec leurs yeux, tout en répondant avec leur bouche, ça va, elles t'interrogent! Elles m'interrogent? Avec leurs yeux! Non, non! Et toi, tu penches ta tête, tu tords tes mains! Mais jamais, jamais! Tu les fais entrer dans le salon? La salle d'attente, oui! Tu t'y glisses avec elles, vous sortez vos mouchoirs et vous chuchotez en vous tamponnant les yeux! Pourquoi crois-tu que je me suis mariée, moi? J'en avais besoin? Envie? Parle. Si j'ai pris un mari, c'est pour pouvoir marier une fille. Alors qu'est-ce que t'attends pour te marier? Qu'est-ce que t'attends pour te marier? Mais toi, qu'est-ce que t'attends pour crever? Marie-toi et je crèverai. Crève. Il a fini ses études, il ne va entendre parler que lui ça. Moi je lui dis, attends encore Sacha, c'est trop tôt, réfléchis un peu, tu as le temps. Pourquoi les hussards alors que t'as peut-être la vocation d'un civil? Enfin, vous savez ce que c'est que la jeunesse? Lui, tout l'attire chez les hussards, tout ce qui brille. Oh, Frau Brune, venez voir, il porte un chupon. L'esprit, venez voir, il porte une culotte. Attention, messieurs, de ne pas vous enrhumer, ce serait dommage.
demande du travail. J'ai déjà tout ça. À l'étranger. Cette ville est la ville où je suis né. Mais à présent, je ne suis plus qu'une impureté ethnique. Oh, mais tu écris quelque chose en ce moment? Oh, mais c'est une pièce sur quoi? La mère de l'auteur. L'auteur de ces jours. Une pièce sur les concours. Oh, et puis je serai dedans. Oh, mais je serai très bien, personnage de théâtre. Oh, bah, tu ne te reconnaîtrais pas, maman. Bon, je travaille. Et comment je m'appelle là-dedans? Dis donc, celui-là, est-ce que tu n'as pas déjà vu quelque part? T'es bien que je l'ai déjà vu. En parole, il a raison. Il me semble à moi aussi que celui-là, il ne m'est pas inconnu. Parole, taisez-vous. Il me semble à moi aussi que celui-là, il n'est pas inconnu. Mais taisez-vous donc. Je suis sûre de l'avoir déjà rencontré quelque part. Bébé. Oh, mais c'est pas vrai, Huguette. T'es encore trompette? C'est pas vrai du tout. Ah oui. Eh ben vous, le bricolé, relevez-la. Mais vous avez vu l'engin? Je ne veux pas risquer de me péter tout, moi. Oh, allez, ma chérie, relève-toi, ma puce. Ah, tu parles d'une puce, hein. Ah, Gina la ferme, hein.